Non, je voudrais dire, allez, très simplement, pourquoi on est là. Il y a 6 ans, tu nous as surpris par une victoire contre qui? François Fillon. Attendez, au Mans et dans la Sarthe, ça a du sens. Alors, mais depuis, après donc nous avoir surpris, depuis 6 ans, tu nous as conquis. Conquis par ta présence, ta disponibilité, ton engagement et ta capacité à rassembler autour de toi l'ensemble des forces de gauche et de progrès, répondant ainsi à l'aspiration unitaire que nous sentons monter actuellement très profondément dans cette région. Alors, comme tu as d'abord surpris, puis après conquis, on a envie de te garder. Et pour te garder, ensemble, on va gagner! Moi, je vais faire très court. Je peux témoigner que nous avons un grand président de la région des Pays de la Loire pour une grande, pour une belle région qui a un bel avenir. Je peux aussi témoigner de la manière dont nous avons travaillé avec enthousiasme à ses côtés, avec les amis que je retrouve ici, alors naturellement les amis du Parti Socialiste, mais je pense à Yann Hilary, je pense à Patrick Cottrel, je pense à Philippe Denis, qui j'oublie, Gilles Bontemps, bien sûr, le Nazérien de la bande. Vraiment, nous avons travaillé dans une ambiance super, avec un président toujours à l'écoute, toujours prêt à partir sur les bonnes idées. Merci. Jacques a imprimé un style, une manière d'être, une manière de faire de la politique. Et nous, en Mayenne, on s'en est largement inspiré. Donc je crois que nous, les Mayennais, la gauche mayennaise, on doit beaucoup à ce qui se fait en région, et on doit en particulier à ce que fait Jacques Auxiette. Et moi, je voudrais dire une chose ce soir. Je crois qu'on a besoin d'hommes comme lui qui tiennent la barre, qui sont présents sur le terrain, qui connaissent les dossiers et qui sont toujours, Joël le disait, qui sont toujours à l'écoute. Et c'est comme ça aujourd'hui que moi, j'ai envie de faire de la politique. Et c'est comme ça que les citoyens entendent aussi la politique. Et donc ça, c'est une qualité formidable qu'a Jacques. Et il faut qu'on fasse passer ce message-là dans la campagne. Jacques, il tient la barre. Jacques, il est là. Et Jacques, il fait avancer notre région. Pourquoi ? Parce que Jacques, il aime notre région. Eh bien, La Roche-sur-Yon et la Vendée ont donné un grand président au Pays de la Loire. Eh bien, nous, on en est très fiers. Il faut que ça continue. Ce qui a étonné tous les Vendéens, c'est que la région, là, managée avec toute l'équipe de toute la gauche et des écologistes, n'oubliait aucun territoire. Et ça, en Vendée, on ne connaissait pas. Parce que la droite dure, le MPF, c'est-à-dire la droite extrême, c'est à la tête du client. Ils servent leurs amis d'abord. C'est ça, la droite en Vendée. C'est aussi la droite des Pays de la Loire, parce qu'en Vendée, l'UMP, ça n'existe pas, c'est l'UMP qui commande. Donc c'est très important qu'on continue à avoir une région solidaire qui n'oublie personne. Avec un leader, avec des membres de la troupe, des groupes derrière, avec tous les amis de l'unité, avec les électeurs, mais aussi avec les militants qui vont venir de tous les quartiers, on est sûr de gagner. Merci Jean-Claude. Oui, c'est d'abord un souvenir qui nous est commun. C'est-à-dire, pour la première fois dans l'histoire, la gauche était majoritaire en Loire-Atlantique et en même temps majoritaire dans les Pays de la Loire, et on a fêté ça le soir dans Place Royale. C'était déjà très bien. Merci Guillaume. Et puis très vite, on s'est aperçu que sur énormément de projets,
c'était tellement plus facile de discuter avec un ami, avec un camarade. Je pense au projet sur les transports qu'on accompagnait quand tu as décidé de faire le cyclotron. Ben, on a été spontanément à tes côtés, ou Technocampus, etc. Et donc, mais au-delà des projets plus ponctuels qu'on cofinance aussi avec l'agglomération nantaise, il y a deux choses qui me frappent. C'est que sans qu'on se soit forcément tout de suite concerté, on a eu tout de suite le même rapport avec les collectivités, les communautés de communes, dans le système des contrats de territoire. Contractualiser, discuter, essayer de comprendre les priorités de ces territoires et venir à leur aide, tout en impulsant des orientations, on s'est retrouvés, les CTU, les CTD, voilà. Et puis l'autre réalité qui m'est apparue très forte, c'est que nous, élus de gauche, nous allons sur le terrain. Nous allons parler aux gens, nous allons parler aux élus, nous allons parler aux associations. Et j'ai constaté très vite, allant voir ici ou là dans des communes à des occasions différentes, des gens qui me disaient « Mais monsieur, vous êtes le premier président de conseil général qui vient nous voir. » Et puis vous savez, ce qui est extraordinaire, c'est que dans 15 jours, il y aura Jacques Auxiette chez nous aussi. Et donc on a, toi, évidemment sur un territoire beaucoup plus grand, donc plus fatigant, c'est sûr. Moi, sur un territoire plus petit, je pense qu'on a cette volonté avec tous nos collègues élus autour de nous d'être présents aux côtés des gens, d'essayer de comprendre les choses, de dialoguer et puis ensuite de faire. Et donc, évidemment, cette période a été très positive et très intéressante dans notre coopération. Et je souhaite évidemment, même si pour nous l'échéance est un peu plus tard, qu'elle se poursuive le plus longtemps possible.